Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Primark. Et Tiger, j'ai acheté deux petites choses. Donc il y a aussi du NYX et du Kiko. Donc voilà, mes petits derniers achats, que ce soit mode ou beauté, ici, maintenant, tout de suite. On va commencer là où j'ai, entre guillemets, dépensé un peu le moins. Chez Tiger, j'ai pris ça pour ma fille. Donc je vais aller m'empresser de lui laver. Voilà, je me suis dit, pour les jus, même pour son lait le matin, parce qu'elle a du mal à boire encore dans des tasses. Donc bah, c'est marrant ça, ça tourne comme ça. Voilà, pour... En attendant d'arrêter le biberon. Voilà, on va essayer ça, on verra bien. En tout cas, ça lui plaisait bien. Chez NYX, j'ai craqué pour un... J'allais dire rouge à lèvres, mais non, je n'ai pas craqué pour un rouge à lèvres, mais pour un liner pailleté. Je me suis dit pourquoi pas, la dernière fois il m'avait fait de l'œil. En revanche, dans mon NYX, il restait que les deux teintes gold, enfin doré, un doré un peu plus qui tirait vers le jaune et un doré un peu plus chaud qui est celui-ci, le chamomille, qui est le 05. Donc ça se présente comme ceci. Est-ce que vous voyez bien, voilà. Et je l'ai swatché, honnêtement il est très joli, j'aurais préféré la teinte un peu rosée, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Alors j'en ai acheté récemment, si vous l'avez vu dans mon weekly vlog, je crois que j'en ai parlé dans mon dernier weekly vlog, je vous mettrai ici. J'en ai acheté de chez Rimmel, mais ils sont pas du tout pailletés en fait, c'est vraiment des liners, bah, par exemple dorés, juste dorés, pas de paillettes, là c'est vraiment pailleté. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour une autre couleur. J'ai des petites idées de maquillage avec, donc je vais tester ça, j'espère dès demain, en tout cas très prochainement. J'ai craqué chez Kiko pour un de leurs rouges à lèvres comme ça, qui s'appelle de la collection Ocean Feel. Le Sparkle Lipstick, donc c'est un rouge à lèvres qui est complètement pailleté. Honnêtement, j'ai hésité à acheter toutes les teintes. Il y en a trois teintes différentes. Un qui tourne vers le rose corail, un vers le rose rouge et un autre vers le rose violet. Et toutes me faisaient de l'œil, donc je pense que j'irai acheter les autres. Là, j'ai pris le 03 qui est finalement celui qui tourne vers le rouge. Mais quand on le swatch, il est vraiment dans le rose rouge alors que l'autre était rose corail. Donc je me suis dit, bon, j'ai eu du mal, hein, à choisir, vraiment j'ai eu du mal. Donc ça se présente comme ceci, et alors vous allez voir, c'est une merveille, j'ose même pas le swatcher ce truc là regardez moi ça, je pense vraiment que je vais aller craquer pour les autres. Je vais vous essayer de faire une jolie photo sur Instagram, voir si ça rend bien. Là il paraît vraiment très rouge, mais je les ai swatchés vraiment en magasin et il est vraiment rose, c'est un joli rose, mais j'ai trop hésité, donc ça ne serait tardé, j'irai acheter les autres. Maintenant, pas chez Primark, des cotons, oui, pour moi, me démaquiller, je les utilise de moins en moins, mais pour mes enfants, oui, je ne suis pas passée encore au coton écologique, tout ça, ne me frappez pas, ça ne serait tardé, pour moi, oui, mais pas pour mes enfants, pas en tout cas pour leurs fesses. J'ai craqué, moi, pour un petit sac à main comme ça. En fait, ça fait plusieurs mois que je cherche un petit sac à main rose, comme ça, un peu pastel. Là, il est un peu rose pâle, je ne sais pas si vous verrez bien sa couleur. Oui, je suis à fond dans le rose, hein, vous vous souvenez. Et du coup, je cherchais un petit sac à main. Là, ma foi, 4 € chez Primark. J'aime bien les petits sacs un peu besace comme ça, où on met pas 50 milliards de choses. D'ailleurs, j'aimerais bien vous tourner une vidéo What's in my bag. Que vous voyez un peu le délire, hein, dans mon sac à main. Mais mon sac à main du moment, là, c'est vraiment un délire. Donc je pense que je vais vous faire ça prochainement. Si vous avez juste envie de rigoler un petit peu, ça peut être cool. Et quand je vous aurai tourné cette vidéo, je pense que je prendrai ce sac-là, du coup, pour changer un petit peu. Mon autre sac en ce moment est noir. C'est un basique de chez Michael Kors. Mais j'avoue qu'il commence à s'abîmer. Du coup, j'aimerais bien changer un petit peu, alterner. Donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. 4 €, c'était vraiment pas cher. Pour moi, j'ai craqué pour un pyjama. Alors j'aurais voulu trouver un pyjama un peu plus sympa, un peu plus joli, avec des dentelles, des choses comme ça. Mais j'avoue que j'ai pas trouvé grand chose, parce que dans mon Primark à Lille, bah, je sais pas, mais toutes les tailles, que ce soit L ou XL, ils avaient disparu. Il n'y avait que des XS ou des S, donc je ne rentre absolument pas là-dedans. Le seul que j'ai trouvé à 7 €, donc c'est celui-ci qui reste assez basique, un t-shirt bleu, voilà, basique. Et le pantalon est comme ceci, rayé, en taille XL. D'ailleurs, dans cette gamme-là, j'ai trouvé un 2XL, ça est 50-52, donc je ne savais pas que ça existait chez Primark, ça doit être nouveau. Donc sachez, si vous mettez encore plus grande taille que moi je mets du XL en pyjama, parce que j'aime bien être à l'aise quand même. Mais du coup, il existe en 2XL maintenant. Pour mon fils, j'ai craqué pour un jean comme ça, mais il est super beau, j'aime beaucoup cette couleur un peu
bleu là, j'adore, j'adore. Je me suis dit que ça allait être top pour lui, de 2-3 ans, 98 cm, parce que sa taille quand même assez grand. Hein. Lui il fait 90 cm, mais voilà, ça lui va bien. On peut les resserrer à la taille, donc ils sont parfaits. C'est une version skinny, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et il valait 6,50€. Toujours pour mon fils, parce qu'on y a été vraiment pour lui, pour trois petites choses en particulier. Pourtant, il n'y avait personne dans le Primark, disons, un soir, c'est top. Hein. J'aurais bien voulu traînasser un peu plus longtemps, mais bon, ça allait fermer. Mais du coup, on a été pour des choses importantes, c'est-à-dire des pantalons, enfin, un pantalon pour mon fils. Je lui ai pris donc un short aussi, toujours en 2-3 ans, à 3,50€, un short assez, voilà, assez basique, avec le nœud là. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de vérifier, mais je crois pas que cela se resserre, du coup. J'espère que ça lui ira, que ça sera pas trop large. Mais voilà, en gris parce qu'il a un bleu, il en a deux bleus, donc je me suis dit un petit gris ça pouvait être cool. Il y a des poches à l'arrière, pardon, et il y a des poches aussi sur les côtés, donc ça c'est plutôt cool. On voulait trouver des petites chaussures un peu sympas pour ma fille, mais on n'a pas trouvé grand chose, il n'y avait vraiment rien, ou des trucs hyper pailletés, vraiment moches. Donc là, on lui a pris ça à 5€, des petites, voilà, des petites sandales très simples. D'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder pour moi, j'ai oublié. C'est pas grave, j'y retournerai pour moi en mode shopping solo. Donc voilà, 5€ on lui a pris en blanc et en rose, puisque ma fille voulait les roses et moi je voulais lui prendre les blanches, puisque les blanches ça va un peu avec tout quand même. Donc voilà, on lui a pris les deux pour 5€, ça reste quand même tout à fait raisonnable. Et ça, l'été, ça va vite, ça s'abîme vite, et puis surtout ça se met tous les jours quoi. Donc j'ai oublié de vous montrer, pour mon fils on a craqué pour une casquette basique, hein, 2€. Voilà, pour les beaux jours qui arrivent, c'est toujours bien d'avoir une casquette. Moi, je voulais absolument des nouveaux chaussons. Ou en tout cas, je voulais des chaussons qui s'enfilent, style antidérapant, chaussettes-chaussons, vous voyez, pour éviter de reglisser dans mes escaliers. Hein. Si vous n'avez pas suivi, je vous renvoie voir mon vlog. Mais pour éviter toute chute. Et comme mes chaussons aussi que j'avais étaient vieux, donc bah, j'en ai repris. Mais malheureusement, il restait que ça, magasin, que des chansons moutmout, divers, quoi. Donc bon. C'est dommage, mais il n'y avait pas trop de choix, donc bah, j'ai pris ceux-là, qui étaient les seuls en taille L, donc en taille 40-41, à 5€. Honnêtement, j'aurais voulu des trucs un peu plus sympas. Bon, c'est anti-dérapant, mais j'aurais préféré en chaussettes. Je sais pas pourquoi, là, depuis que je suis tombée, j'aime beaucoup mettre ce qui est en style chaussette. Donc, je regarderai un peu Action si j'en trouve, on verra bien hein, d'ici là. Et j'ai craqué pour un petit accessoire, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas acheté d'accessoire chez Primark. Là j'ai pris une petite coque un peu festivale, j'arrive pas aujourd'hui à parler, un peu estivale pardon, été voilà, avec des petites fleurs. Je me suis dit que mon téléphone iPhone 7 rose gold ça ira très bien, donc je vais essayer d'ailleurs pour vérifier, hein, j'ai oublié de vérifier en magasin, mais je vais essayer pour voir si ça va. Je crois que j'ai rien oublié dans mes derniers achats. Vous avez vu, j'ai pas fait des folies de dingue, mais c'était voilà des petits achats comme ça. J'aimerais bien trouver des petits t-shirts. Alors celui-ci vient de chez Kiabi, mais ceux de chez Primark aussi sur Friends. Mais là, je les ai pas vus. Après, j'ai pas beaucoup cherché. Je vous avoue que bah, on avait nos deux enfants, on avait la grande et le bébé. Donc on n'a pas passé 50 ans dans le magasin, même s'il y avait personne. J'ai privilégié les choses essentielles, c'est-à-dire des chaussons, un pantalon, des chaussures pour ma fille, voilà, essentielles. Et après, bon, j'ai trouvé quelques babioles sur mon chemin, mais j'ai pas vu les petits t-shirts, donc j'y retournerai peut-être. En tout cas, peut-être que prochainement, vous aurez un autre haul, ou peut-être un vlog aussi, Primark, je sais pas trop. J'aime pas trop filmer dans les magasins, mais pourquoi pas. Et ça, ma fille, elle a eu ça gratuitement chez Tiger, c'est la dame de la caisse qui lui a offert. Parce que sinon ils allaient les jeter. Donc ça, je trouve ça cool parce qu'au lieu de les jeter, ils l'ont donné à une petite fille. Donc ça, je trouve ça sympa. Merci Tiger, ça c'est une super idée. Donc voilà, j'ai acheté d'autres choses pour un swap, etc. Donc je vous montrerai pas tout. Mais on va dire que l'essentiel est là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. Hein, @KarineMissBook pour ceux qui ne sont pas sur Instagram aussi. Et puis on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos dernières trouvailles Primark, beauté, Sephora, vos derniers craquages.